À 100 mètres. On arrive. On va se poser. Allez, bravo, on est vos positions. En ligne, on reste. Vous pouvez sortir. Faisons des cartes un peu au sud. Bravo, on fait 50 mètres, on se met en ligne face à l'esprit. Ta radio, est-ce que tu sais le faire? Oui, mais en fait, j'arrive pas à activer. Bravo. Son menu en fait pour votre tu lâches, j'arrive. Tâche radio, canal 2, parlez. C'est bon. Et Weldry, tu seras avec moi, on sera bleu, et Aku et la vieille, t'as des munes pour Weldry? Il a quoi, Weldry? Il a la mitrailleuse. Non, moi je suis grenadier, donc. Attends, j'arrive. Ah, c'est bon, c'est bon. Pour info, j'ai qu'une bande dans le sac. J'ai moult grenades, mais pas de bombe. Ok, à coup la vieille, vous serez rouge. Avec moi, on sera bleu. Pensez aux strobières. Oh putain, j'ai tous mes bindes à refaire. Alpha de leader. Là, j'ai qu'une bande, je vais pas aller loin. Hein. Ouais. Stand by pour l'instant. Deux. Merci. Ah putain, attends, faut que je change, c'est infernal. Les trucs 200 ou ça. Y'a qu'une bande dans le chargeur et une bande dans le sac. Ouais, bravo, c'est ça. Pour leader. Ah, j'écoute. 200. Ok, stand by, pensez à activer vos strobes hier, préparer vos armes, changer de scope si nécessaire. La vieille, mets ta strobe. Ouais. Ouais, la vieille strobe. Ok, vite fait, si j'ai besoin de l'idée un petit peu. Yaka, tu lis le trinôme au cas où. D'accord ? Ok, bien pris, je vais lire le ton trinôme de. Économiser tes. Pas l'un ou l'autre. Pas besoin de trop. Un coup, j'ai envie de me laisser guider. Non, pour les deux, dérange pas. Ok. Vous me suivez. Goya, en 2 Dranak, en 3 Sandman. C'est pénalisant ça, 2 charges. Ouais. Ouais, c'est pas grave. Alpha de leader. Vous allez pouvoir faire mouvement en direction de Tallinn. Et Alpha, on est parti. Ok, en colonne. Bravo de leader. Dans l'ordre, Boris. Ah, j'écoute. Emboîte le pad alpha 50 on part mètres. À 810. Donc rouge, vous passerez en premier, bleu on suit, vous allez suivre donc l'autre groupe alpha. On est parti. Ouais, en colonne. Bien la vieille. On est parti. Oups.
Alors rentrer sur ce truc là. Non, on laisse un peu de chemin à Alpha, bravo. Ouais, laisse-le sécuriser, laisse-le quand on sera sur les bâtiments, tu le laisses sécuriser là, on est une cinquantaine de mètres. Une centaine de mètres, pardon. Tu le laisses sécuriser et une fois que c'est sécurisé, tu prendras position tout sur le côté droit des bâtiments. Donc sud. Côté sud des bâtiments. Je dépasse, on y va, Charlie. On bouge. Alpha signalé de Cataline est sécure. Mon groupe va se placer au nord de Tallinn. Ok, dans tous les cas, bravo. Je veux rouge à ma gauche et donc bleu sera à droite en cas de chevron ou en cas de ligne. Ok. Et en cas de colonne, c'est rouge devant et. Et bien pris. Ok, on avance, on se met sur la droite des bâtiments. On se met en ligne. C'est bien. Halt ici. Ok. Tout le monde est là? Ouais. Alpha est sur le départ. Ok, on est parti en colonne direction sud, on suit Alpha. Sud? Ouais, ils partent sud. Ils sont en train de sortir là. Ok. Dès que tu les vois, tu peux emboîter le pas. Ça marche. Tu les as vus? Non. Ouais, ouais, vas-y, pars. Ouais. Ils sont à notre est. Non, ils sont loin là-bas déjà. Ah ok. Charlie à l'est. Accélère. On accélère. Winko ? Oui. Ta MG, ton viseur il marche de nuit ou pas ? Non. C'est pour ça que je suis. Halt. Bon, information, juste un petit coup d'œil à la jumelle sur Riga, j'ai rien vu de spécial, mais bon, on y voit que quick. Y'a un quick. Ici Alpha, de même, là on s'est arrêté. Je vais faire maintenant. Rien à signaler dessus, je pense qu'on verra au dernier moment quand on sera dessus. Ouais, bien reçu, du coup on y va, allez, en ligne droite dessus. Bravo, emboîte le pas d'Alpha. Allez, on reprend la colonne, les gars. Allez, c'est reparti. Doudou, une fois sur ta Riga, tu prendras le côté gauche, ok? Tu te positionnes sur le côté gauche, t'entres pas dans les bâtiments. Ok, d'accord. Allez, on y va. On repart. Ouais. Arriver sur Riga, on se mettra en ligne gauche des bâtiments. Ok. Par la gauche. Commence à se déporter par sur la gauche, bravo. Ok Boris, on s'en motive là. Forme une ligne. Devant, ouais, tu sécurises. Vas-y Wilco, tu l'accompagnes. Halt, bravo. Alpha sécurisé. Froggy, on suit. On attend là, en deux secondes.
Ok, je vais déjà me placer au sud de Riga, hein, donc sois pas surpris. Et on y va, on avance. On repart. Chevron. Y va. Attention, oh, les bâtiments le compound, ouais. C'est pour les alliés. C'est allié pour les alliés. Et on peut progresser, on fait 50 mètres. Ok, y va. Halt. On observe. Quelqu'un a des jumelles ou je suis le seul? Regarde, tu me permets. Je crois que t'es le seul. Alpha, Riga, sécurité, RSI. Bon, on a des RCO. Moi j'ai une MGO mais pas compatible avec la Division. Okay, j'ai de la lumière de type phare, plein est, lointain, très lointain. Ouais, ouais, c'est... Confirmé pour véhicule en mouvement. Si j'arrive à te repérer ça, je te dis ce que c'est. Oh, purée. Et ouais. Il n'y a pas qu'un véhicule, il y a de la patrouille à pied également. On est parti. Dans le même coin. Bravo, bien pris. On n'a pas oublié qu'il y a du civil dans l'histoire. C'est bien. Ok, visu, c'est un... J'arrive pas à savoir. En partie d'heure. Ok, bien pris. Donc non, en fait, on va aller sécuriser un compound donc, qui est à l'ouest de Point Vignus, donc le compound qui est en 140. On part en colonne là-bas. 140. C'est bien pris. Ouais. Allez, c'est parti. Droit devant, quoi. Notre objectif, c'est de sécuriser ce compound et après, on va au compound au sud de Vignus. Bravo, on est parti. On trouve une entrée, on rentre. Ok, j'ai une entrée ici. Et rouge, rentrée. Ils ont des contacts à l'est, apparemment, j'ai entendu derrière. J'ouvre à gauche. RS. Ok, donc. RS. Tirez les bâtiments rouges. Ok. Là où RS. Ok, tu te pointes, tu te mets à l'angle là, du bâtiment. Ok. Rien. La baraque que j'ai face à mon fusil plein ouest, tu l'as faite? Ah non. Non. Ah, elle est bizarre, ouais. Ouais. Clair. Donc à tous, Charlie va engager une patrouille qui est à 100 mètres à leur nord.
soleil se lève, on peut commencer à utiliser les accords. Ouais. Ouais, c'est Ami, ça, plein est, hein. Ouais, ils sont déjà là-bas. Ouais, c'est Ami, ça. D'accord. Ah, c'est vrai qu'on était derrière eux, je suis con. Ouais, ouais. Rouge. Mmh. Vous voyez le bâtiment à droite, là, en sang. Ouais. On va partir là-bas. Ok, je descends. Ouais, on y va? Ouais, ouais, on est parti. Allez, let's go. Donc, bravo, on a sécurisé le campement à l'ouest, on se dirige sur le campement au sud de Vigny. On prend le compound. Oh, je vous investis. Il y a Alpha dedans, je crois déjà, non? Ouais, ouais. On va le prendre, nous. Ok, RS. Attention, les angles là, avec les coussins. Rouge, vous allez pour leur place. Ouais, vous allez prendre leur place en haut là. Faites de la place, les gars. Arrêtez l'avant. Vous avez des choses à signaler? Non, non, rien en visu. Okay. Et j'ai vu des mecs bouger dans les plantations en 70. Ah, ça marche. Putain, on peut poser. Oh, je vois rien quoi. Ouais, visu. Il y a des têtes qui dépassent. Ouais. Par contre, je sais pas laquelle c'est. Hein. En face là. 70. En plus, là, vu que je suis parti. Au 90, véhicule en mouvement. Type inconnu. Défile en gauche. Non, c'est des mecs armés. Ah, par contre, on a un phare à l'est. Un phare. C'est un quad, ça, non? Ouais. Ça ressemble bien à un quad. Cool. J'arrive à c'est un quad confirmé en 90. Ok. De l'est. Ouais, pas de route. Enfin, pas qui vient vers nous, je veux dire. Ouais. En 70, c'est Suez là? Ouais, c'est Suez. Alors, il y a 70, affirmatif. 40 aussi, j'ai l'impression. Dans les baraques. Ouais, c'est pas du pavot qu'il y a dans ce champ. Je pense que c'est. Au niveau d'Abad, il y a un mec en patrouille sur la droite de Suez. Isolé.
Chef. On a perçu un technical qui doit être passé au niveau du carrefour d'Abad. Chef. Ouais. Oui. En 70, il y a un 68, il y a un garage, je crois que sur le toit, il y a une mitrailleuse fixe. Quelques patrouilles autour de Suez. Rien de plus. Et le technical en fait est passé en 60, il est en train de remonter 68. Direction Panama. 68, il y a une maison avec un garage, deux garages. Ouais. Je crois qu'il y a une mitrailleuse dessus mais je suis pas certain. Ah ouais. Ah ouais, t'as raison. Effectivement, il y a une mitrailleuse. Hein. Donc affirmatif, putain, sur notre est, on a vu un quad donc et on a du présence civile sur Suez. Technical sur 60. Ouais. Oh. Là où il y a la lumière. Ouais, en fait, il y a un petit bâtiment, il y a un toit. Sur la terrasse, il y a la nuit fixe. Ouais, ok. Vu pour la mitrailleuse, ok. Fermé. Bravo, bien pris. Donc ok. Donc pour Bravo, donc on va partir 150 en 150 en colonne. 150. Ok. Bord du compound par l'est. Bravo, tu vas partir sur l'itinéraire violet. 150, c'est parti. Ouais, 150. Donc en fait, on continue là, on va continuer sur Pasolini. Enlever les JVN maintenant. Ouais, enlever les JVN. Accélérer pour la descente. Ok, bien pris, je vais essayer de contourner un peu plus par le sud par rapport à l'itinéraire conseillé. Ok, bien pris. Donc à tous, on a du contact sur Pasolini, donc là on va partir plein sud. Et donc Alpha va se positionner pour nous soutenir aussi. 10 degrés à gauche. Comment ? 10 degrés à gauche. Un petit plein sud. C'est où Pasolini? C'est en face là? Non, non, c'est pas en face, c'est pas en face. C'est à notre, est là, Pasolini. Ok. On se met en ligne à partir d'ici. Faut faire une pause, j'en peux plus là, je creuse. Ouais, ouais, on fait une pause. Observer est. Ah, j'ai un mec, mais je sais pas si c'est un civil, j'ai vu juste une tête. Il y a un compound juste à côté. À l'est. Ouais, non, armé, en face. Donc en 120, armé. Je sais pas. Si j'ai. Ah j'écoute. Vas-y radio. J'écoute. Donc, j'en ai compté 3. En tout cas à l'est, RS. Ils sont où tes mecs à coup?
Alors les mecs ils sont en 125, défilement droite gauche le long du mur. Je suis à 0,80, 0,23. Ok. On voit pas grand chose. Ouais, faut se lever. Hein. Ouais. Et on a vu que des têtes, hein. On a vu que des têtes d'ici. On dirait un bunker mangé par la végétation. Après. Ici. Genre les vestiges du mur de l'Atlantique. Et on va se replier de. Et un peu nord-ouest, enfin ouest, là on va les monter un peu. On va les prendre un peu plus de hauteur. Est, on a un compound d'abandon. Ouest, ouais. Ouais, ouest. J'ai reçu. On va sur l'ouest. Ouais, sur l'ouest, on va aller. On va prendre un peu de hauteur par rapport à eux. Colonne Non, non, en ligne, on va reculer en ligne. Bien pris. Ok, moi j'ai une parfaite vue ici, bravo, j'ai une parfaite vue sur Pasolini. Là, on peut essayer d'engager les contacts. Oula. On a un compound plein sud, abandonné. On a un compound plein sud abandonné qui pourrait nous permettre de. Ouais, ouais. Nous protéger, avoir un abri et un couvert. 0-75-175-0-233. Est de la route. Mètres. Trois mecs qu'on a vu là, je suis pas rassuré. Ouais ouais, on va se replier sur le compound à l'ouest là. Le compound à l'ouest, c'est parti. Et du coup. Oh, je vous passe devant. Ok. Sur la droite. Ah, je t'écoute. Ah, négatif. On avait perdu le contact. Deuxième, très mauvais couvert. Également. Ok. RAS ici aussi. Ouais. Ok, tout est clair. Ouais, ouais.
60 c'est peut-être un mineur. Ok, donc tout le monde sur moi. Ok, on va partir en chevron. Vous allez me suivre, on va partir sud-est. On va partir sud-est. Faites attention. Il y a des contacts. Et... Bon. Allez, c'est parti. Contact. Ah non, c'est civil. Ok. Continue, on progresse. On est sur le mur. Rouge, vous prenez le coin nord du mur. Ok. L'itinéraire est bon ou pas? C'est dégagé. Il y a moult buissons, mais c'est dégagé. C'est là qu'il y avait les trois mecs qu'on a vu tout à l'heure la veille. Et on a l'entrée à droite, immédiatement. D'accord. On investit? Ouais, on investit. Et l'entrée côté sud-ouest aussi. Hein. Ah, attends, on va aller suivre. On va voir à droite. Ça marche. Valdry, tu me suis. Ok, clear à droite. Oh putain, je suis déjà passé. Ok, ça c'est RS. Je rentre intérieur pour confirmer. Ok. Ah, je t'écoute. On a visu sur. Via fenêtre sur Est. RS, il y a un étage avec visu sur Est. Il y a visu sur contact. Négatif. Ok, vous ressortez, il y a un muret là à l'est, on va se positionner dessus. On perd pas mal sur notre plan gauche. Hein. Quoi? Ouais. Ok, on y va? Ouais, c'est parti. Au-dessus. Ok, go. Du civil qui court. Ça c'est pas civil ça. Le temps que je m'en rende compte, ouais. Deuxième. Putain, ils nous ont pas vu quoi. Il manque plus que le troisième. Et check it. Quoi? Ah, j'écoute. Il est où le troisième putain, il est où? On avance. Putain, tu m'as fait peur quand t'as gueulé, c'est pas un civil, t'es en train de l'observer justement. En train de vérifier. Attends, à coup. On a vu sur Est, on va voir si c'est clair. Ok, c'est bon. Putain, c'est tellement touffu ici. Ouais. Ouais, on va progresser là, nord-est. Ah, on va aller dans l'autre sens. Tu viens la vieille? Je te suis. Il va y avoir un contact sur... Ah oh, putain. Parti. Non,
Nord-est. Vous voyez, il y a un gros rocher là, nord. Ok. Nord-est. On est parti. Ok, on continue sur les prochains rochers. Sur les prochains rochers nord. 60. Contact. Derrière contact. Nous. Ok. Rouge, allez-y. 60. Défile droite. Tu confirmes 60? Ouais, 60. Ok, on est parti. Ok, c'est contact sur notre droit. Putain, il est passé. Fuck. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais, ouais, je sais, tu l'as traité ou pas? Non. Sur l'avant, ouais, hein, ouais. Ouais. Plus de visu là, avec tes armes. On a du contact sur notre avant. Proche. Ok, vers les compounds là, sur le sud-est? Non, sur les caillasses en 60. Parlez en faible, hein, pour pas qu'ils nous entendent. Je balance une greu. Frag. On est sur le rocher. Et rouge, vous repliez. Oh bah on se remplit. Oui. On se casse. Ok, on est là. Charlie 2, bravo. Parfois derrière, j'ai tiré sur un bus, mais je sais pas si j'ai descendu là. Et Charlie, on a dû se replier, donc on est sud-ouest de Pasolini, donc on est passé du côté ouest de la route, on a eu de nombreux contacts. Donc les contacts sont sud-ouest Pasolini, à peu près le long de la route. À au moins 200 à 300 mètres de Pasolini. Augmente un peu ta voix, la vieille. Ok, contact traité sud. Ok, bien pris. Il était seul. Ça devait être le troisième. Dans le troisième, on l'a eu, il était devant. Oui, non, t'as raison, pardon, je dis une connerie. Ok, on va partir plein nord. Vous allez me suivre, on va partir en chevron. Ok. Donc pour info, donc sur Pasolini, donc là les contacts que vous avez étaient entre nous et Pasolini, et c'est donc Charlie qui s'en occupe. Donc nous on va essayer de contourner, on va essayer d'aller sur Abad. Voilà. Le temps d'ouvrir la carte là. Hein. Ouais non pas de soucis, mais bon pour vous dire, donc il y a beaucoup de contacts entre nous et les copains, donc on va essayer de les contourner. Alors on est parti en chevron, on fait bien attention, on se presse pas, on court pas. On va partir plein nord. Parti. Et parti. Attention au flanc droit. Ça va, chef? Ouais, ça va. On va continuer S là. Guest.
on se met sur les rochers, on regarde. On se met sur les rochers. J'ai vu les traçants de partir de là où on va. Ouais, ouais, mais t'inquiète, ouais, on va pas rien. Sur notre plan gauche. En contrebas. Plein nord. Plein nord que et tu ouais, dis. Nord, c'est là où on va, hein. Donc ouais, c'est en contrebas. Ouais, ouais. Aucun contact. Plein nord, plein en azimut 10, c'est le technical que t'avais vu, la vieille. Ouais, qui a été traité, ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. À mon avis, les départs de coups viennent du village qui est juste à côté. Hein. Enfin, du village. Ouais, ouais, mais on a les habits, en fait, en bas, là, dans le petit truc. Plein nord, c'est Abad. Et nord, c'est Abad. Là où on va. Hein. Bon, on se remet en chevron en avance, plein nord. Ok. Parti. C'est parti. Attention, la veille, tu pars dans tous les sens. Ouais. On dirait que t'es bourré. Ah, j'écoute. Un négatif en progression. Je suis en train de passer à l'ouest de Pasolini. J'ai bien pris, on a traité quelques contacts aussi sur nos arrières. Ouh, belle traçante en face là. Ouais. C'est les amis ça. Ouais. Parti en continu. Dévie un peu à droite. Ok, on se pose sur les rochers. On se pose sur les rochers. Alors. On est ok. Rouge, ça va? Pas trop. Ouais. Je sais pas, là, ça va la vieille? Ouais, ça va. Ça va. Par contre, il y a les civils qui font des manipulations avec le technical là. Je sais pas ce qu'ils branlent. Ouais, ouais, c'est les collègues là-haut. Ok, on va progresser en chevron là sur les bâtiments. Ok, on progresse en chevron. Parti. Tellement rien. C'est trop simple. Ok, allez, rouge, vous passez par la gauche du bâtiment, vous sécurisez tous les bâtiments donc devant vous et et nous on va passer par la droite avec bleu et on va sécuriser les bâtiments. Parti. Ok. Je vais ouvrir à droite. Je rentre. C'est moi ou c'est proche ça? Ouh, c'est le gros calibre. Putain, ça pue le Dragunov ça. T'es avec moi la vieille?
Ouais. Ça suit. Bon, je rentre là-dedans, je sais pas trop où je vais. Oui, j'ai un peu la pression. Moi non plus, je sais pas trop. Je passe à l'étage. Ok. J'ai un visu sur un hostile nord-ouest. Ok, t'as le droit d'ouvrir le feu. La vieille, on continue? Ouais. Attends, ils arrivent. Ouais, on est là, on est là. Ok, on continue. Bah, allez, c'est parti. Le second étage a été. Enfin... Oui, oui, c'est sécurisé. Oh putain, le compte civil. Il a failli s'en manger. Restez une... là, monsieur. Faut partir. C'est une zone de guerre maintenant. Ne restez pas là, monsieur. Vous êtes obligé d'ouvrir le feu, monsieur. Bougez, s'il vous plaît. Je crois qu'il comprend pas la vieille. Non, il parle pas la langue. Là, si on traverse, on va être à découvert. Tu me diras, on a la couverture de l'autre équipe. Civil plein, à plein air sur les collines. Ouais. Bien, je vais longer le mur. Ouais, je prends le risque. Ouais. Ok, bien pris. Rouge. Ouais. Ouais, on est là. Rouge, on se rejoint sur le dernier bâtiment au nord là. Je suis là. Ok, tu viens? Ouais, je te suis. On est là, chef. Ok, on va progresser en chevron là sur l'est. On va aller sécuriser les bâtiments là. C'est l'objectif ça, hein? Non, c'est le bâtiment au sud de l'objectif, c'est Gibraltar. Ok, ouais. Ouais. Bon, allez, c'est parti. On va contourner un peu par la droite. Hein. Ouais, tu m'étonnes. On se met à genoux. Peut-être on peut même y aller, même à arme épaulée, je pense, hein, là. Ouais, ouais. Oh putain, dans les hautes herbes. Magnifique. On a ce petit matin avec le soleil dans les yeux. Toujours le soleil dans les yeux, tu le sais bien. C'est la marque de fabrique de Grèce. Ouais. Et ici, bravo, on arrive sur le bâtiment. Et rouge, vous passez, prenez le coin à gauche. Ok, ça marche. Le coin droit. Ouverture à droite. Attention, Wildrid, on prend des tirs. Non, c'est possible de départ de tir depuis l'ouest. Ah, c'est les copains, ça, qui nous couvrent. Vous copains, avez une entrée à droite, à gauche? Rouge. Attends. Non, négatif. On y tire de l'arrière, putain. Pas d'ouverture sur la gauche. Ok. Basculez sur la droite, bleu, on bascule sur la gauche et on... Ouais, et rouge, vous allez un petit peu l'arrière. Ouh, méchant freeze. Wildred? Oui. Faut que tu rejoignes Doudou. Faut que tu rejoignes Doudou, je crois. T'es appelé. Oh, je vous vois avec Pierre.
t'as sur l'ouverture là. Monter à l'étage. Bon visu sur Suez depuis l'étage de la baraque. Ok, on vous rejoint. Je vous conseille les petites fenêtres qui sont magnifiques. Moi je vais rejoindre la vieille. Ouais, ouais. Wildred, monte à l'étage, je suis sur toi et. Moi je vais avec mon copain la vieille. Ça marche. Mon copain. Je prends du tir là. Ok, contact. Prêté. Charlie de Bravo, donc on est sur Gibraltar, c'est clair. On a vient de traiter un contact sur Suez, mais ça a l'air pas clair. Ils sont morts. Ok, bien pris. Un petit point carte parce que j'ai absolument aucune idée de où on est. On est sur Gibraltar là. Gibraltar, ouais. On est sur Gibraltar. Notre prochain objectif, ça va être prendre Suez. Ouais, donc plein nord. On est sur Gibraltar, le prochain objectif, c'est de prendre Suez. Là, il y a Charlie, le groupe de commandement, qui va nous remplacer. Ok, bleu, on descend. Assaut. C'est Ami, hein, en haut. Doudou. Ouais. Ouais, je sais pas si t'as vu où c'était mieux pour attaquer, mais comme tu veux quoi, tu choisis ouais, ton angle ouais, d'attaque. Bah je vais. Ah. On va se mettre principal. Sur le toit, on va te couvrir. Ok, pas de soucis. Y'a un civil qui vient de mourir là-bas au fond. Merde. Crise cardiaque. Goyak, donc rouge, ouais, en plein nord là, vous voyez, il y a l'ouverture. On va se diriger là-dessus, vous allez prendre le coin, donc le coin ouest. Nous on protège vos arrières avec bleu. Ok, allez, c'est parti. Le coin ouest. Ouais, c'est le coin ouest du. Tu veux dire qu'on se met sur la le droite coin de l'ouverture à gauche, quoi. Ah, ouais, okay. Vous mettez sur l'ouverture. Tu veux qu'on traverse et qu'on se mette sur l'ouverture à gauche de l'ouverture à droite d'accord. De l'ouverture. Ça marche, ça marche. Allez, c'est parti. Ok. Ouvrir à gauche, à droite. Ouais. Attention. Ok, j'ai rien sur la droite. Ok. Il reste à gauche. Ok, on investit le bâtiment avec bleu. Ouverture derrière toi. Deux ouvertures. Les bâtiments clairs. La première est sécurisée, tu peux prendre l'autre. Oui, attention, attention. Là à ta droite, t'as une porte. Si tu recules. Ouais. Ok, Wallride, viens avec moi, on va sur le toit. C'est bon, c'est clair. Ouais, je sais pas si c'est clair. Ok, Wallride, tu te mets sur le toit. Je vais voir l'intérieur. Avance. Quel azimut de couverture tu veux que je prenne? Donc tu couvres tout le compound, t'essayes de voir si ça bouge. Que la vieille ouf, tu traites. Ok,
que c'était le chef. À toi, tu crois que c'est le chef ça? Il était face à toi, à coup, tu l'avais pas vu? Non. Putain, il était dans l'ouverture. Ah, j'avais pas encore l'angle exact. D'accord. Ouais, c'est bon, c'était le chef. Ouais, bah bien joué. Ouais. Ouais, c'était pas compliqué. Ah ouais. Ok, rouge, vous rentrez dans le bâtiment là, à l'ouest, là où t'es. Vas-y, je te suis. Non mais sérieux, t'as eu chaud au cul, hein. Ouais. Il y a une fenêtre là. Ouais, je... Ok, il n'y a rien sur l'étage, c'est bon. J'en ai deux. On approche. C'est des copains en 10 10, je regarde. M'étonnerait. Ça porte un uniforme. Ok, j'y suis. Tu peux préciser. Contact en uniforme, azimut 10, c'est ami, sur ouais. Les ruines. Moi je vois du civil qui court au niveau du compound. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Mi-distance avec le compound. Ah ok, vu. Ça a l'air ami. Affirmatif. Ouais, c'est ami. Je me disais, c'est bizarre, des mecs en uniforme. Le civil qui courait, il était sur l'autre compound plein nord. Ouais. D'ailleurs, il est pas tout seul, il y a plein de civils là-bas. Ah ouais. Ils ont dû avoir peur, ils sont recoupés. Ok, rouge, faites attention. Deux véhicules en approche. Et nous, là, vous avez vu en bif, il y a un contact. C'est reçu, pas de vision. Ah. T'as vu un truc? J'ai vu un truc bouger, ouais, dans l'ouverture. 18. Je sais pas si c'est civil. Ah ouais, si, attends, j'ai. Derrière le mur, à 18. Vu, derrière l'arbre, ça passe. Depuis l'angle. Bam, traité. J'en ai eu un. Ok, c'est court, c'est au niveau de la petite maison. Là. Sur mes traçantes. Ouais, je vais passer à la traçante aussi. Ah, il y a plusieurs contacts. Ah, mais non, il a pas fait. C'est bon, ils les ont vus. Merci les traçantes. Il y en a plus proche, oh, de merde. Encore, tu dis? Il y en a plus proche de sur mes traçantes là, tu vois derrière l'arbre? Vas-y, tire. Ok, vu. C'est juste derrière l'arbre là, en contrebas, et j'ai vu des mecs. De rouge. Ouais, j'écoute. J'ai vu des mecs très 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 proches au contact de des mecs qui étaient azimut 10 là, ils sont arrivés par la droite. Chargeur. Ok, je vais leur prévenir. Alpha de Bravo, mes hommes ont repéré des contacts. Ouais, demi-chargeur, putain. Peut-être prendre l'arme fixe. Ah, c'est une bonne idée. Éventuellement, la vieille suggère qu'on prenne la mitrailleuse lourde pour les supporter. Attends, il y a le groupe Charlie qui vient sur le bâtiment. Je suis inquiet, les copains qui étaient en azimut 10.
Je les ai vus tirer en fait. Là, plus de nouvelles quoi. C'est vrai. C'est vrai, mais je les ai entendus tirer. Je pense que... Oh putain, technical! Technical! C'est un technical. Regarde ce que technical plein nord. Si jamais. T'as une batteuse pour l'engager, le technical. Tu peux te mettre dessus ou pas? Ouais, de pouvoir. J'ai demandé au chef, il avait dit d'attendre. Ouais, vu. Bah vas-y, prends-la parce que là, il arrive, le technical. Allez, tourne! Putain! Ok, nous il y a 4, ok, c'est bon, tout le monde, ok. Alpha de leader. Je crois qu'Alpha en prit cher. Hein. Ils étaient sur la ruine azimut 10 et ils se sont fait flanquer au contact. Il est sorti. Oh. Ah. Ouf. Il a dû les sentir celle-là. Oh la vieille, il a la haine. On est sur Suez avec toi, là, c'est sécurisé, du coup essaye de décrocher de Suez et de rejoindre la position occupée Alpha dernièrement. Il y a un mec flank colline au sommet de la crête qui nous tire dessus. Flank par le côté ouest, n'hésite pas à faire un détour par l'ouest. Ouais, parce que là le technical il est passé par Alpha, non? Ouais. Je crois qu'Alpha s'est fait massacre. J'ai changé de channel 3-4-3 pour voir, mais... Vous voyez le mec? Quelqu'un me reçoit chez Alpha? Sur les radios. C'est bon, il est down. West. Ok, mon groupe, c'est bon, on prend bas. Il est down, c'est bon. Vous décrochez après, je vais aller. On est arrivé. Sandman sur la batteuse. Toi la vieille. Tu te mets à côté de la batteuse suite et tu la prends aussi. C'est pour qui? Je t'ai vu t'allonger et ramper par terre. Ah merde. Ah, Alpha, je les ai vus se faire décimer en direct. Hein. Je voyais la vache. Ah, ils sont. Ils sont tombés dessus là. Bon, j'avais un bon visu de là-haut. Mais tout là-bas. Putain, ouais. Non, on se fait sniper là. Non, bon, ok, on va contourner par le. Par l'ouest. On va essayer de rejoindre, voir où on est Alpha là. Ok. Ok, c'est parti par l'ouest. Ouais, par l'ouest. Let's go! Allez rouge, c'est parti, on vous couvre. Ah c'est bon, il est mort. Il s'est fait dégommer, je suis deck. Attends, rouge, roule. Stop. On va essayer de... On va contourner un peu plus là, par l'ouest. Dans le creux là? Ouais, on passe le creux, on va sur la petite crête là-bas, en face, à l'ouest. Ok. Et de bien flanquer. Ouais, c'est parti. Habitation. Ouais, on clearé et on se pose dessus là, 2 secondes. Putain, c'est un bout de maison. Hein. Ouais. Bien. RS. Compound nord RS. Weldrid, mets-toi sur le mur là, en 80. Merde, il est où le muret? Ah ouais. Je suis ici. Bon. Ouais. La ruine, elle est quelque part au nord-est là. Hein. Au nord-est? Ouais, ce que j'allais te demander. Attends. Elle est derrière. Ouais, derrière le. Je pense qu'elle est quelque part au nord-est, mais là on la voit plus d'ici. Ouais, elle est derrière la petite. À mon avis, il faut suivre la végétation là. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Le rouge, vous passez devant? Ok.
La vieille est partie. Comme d'habitude en fait. Ouais. Exactement. Les meilleurs passent devant, on va dire. Oh, t'es gentil. Ah, j'écoute. On va plutôt passer sur la droite des buissons. Et tu veux qu'on t'attende ou... Faut s'attendre à des contacts sur la ruine, hein. Ouais, ouais. À la fin, là, on va se mettre en chevron, là. Par plus de puissance de feu. Le problème, c'est que la ruine, je sais pas où elle est, la ruine. Ouais, ça va être facile. Ouais, ouais. Tu crois? Non, elle est plus en avant, en fait. Bon, ça... Regarde, on a le technical qui est là. Après le prochain buisson, là, on se met en chevron. Ça marche. On a le tuyau en béton qui est droit devant. Ouais, ouais. Donc on est vraiment pas loin. Arme à l'épaule. Ok, prêt. C'est bien pris. Ok, ça bouge droit devant dans le champ. Des filets en gauche. Perdu le contact. Elle est où cette putain de ruine? Elle est là, t'inquiète. Devant. Oh putain, ils sont tous crevés. Mort? Ah, y'a des cadavres partout. Ok, on se positionne sur la ruine. Ok, la MG est là, Wildred. Ah oh, bordel, y'a des morts partout, c'est affreux. Ok, je crois. Y'a un contact est là. Civil. Bravo, ouais. Donc on est sur la ruine, donc groupe alpha décimé. Contact armé, loin, azimut 18. Wildred. Ouais, Wildred, ça peut être pour toi, ça. Ouais. Wildred, c'est ici. Et toi là sur le coin là, en 18 là, t'as un contact armé. Quand tu l'auras traité, t'as la mitrailleuse qui est là juste à côté. Ok, halt, restez là. Courir en arrière, courir vers l'arrière. Putain, je t'attends, on t'entend. Enfin, c'est bon, je l'ai eu. Doudou, t'as du contact? C'est proche? Ouais, je viens de traiter un contact en 10. Non, c'était loin. Okay. T'as vu les cadavres des potes ou pas? Ils sont tous ici! Ils sont tous là, ils sont tous morts. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Sandman, rentre dans le truc là, dans la ruine. Yep. Il y a le cadavre de Froggy, tu le cherches, tu prends son sac. Il est là, Froggy, là, tu prends son sac. Il est là? Prends son sac et tout ce qui. Tous ces grenades et. Nord, c'est civil. Des filons en droite, c'est civil. Grenades et compagnie. Et explosifs, etc. J'ai juste permis de lui piquer un Stanag Tracer. Ah ouais, c'est. Hein ouais, ils sont fait atomiser quoi. Ouais, mais ils sont fait prendre au contact. Hein. Il y a des mecs qui sont arrivés depuis l'est sur eux. Ouais, il y a aussi le technical. Je sais pas si vous avez entendu les rafales qu'il a tiré. Mais il arrivait après. Il arrivait après. Contact 100, loin. Au niveau d'un champ. Ok, on se fait engager. Cette fait d'af, c'est du. Il y a un okay. Fil, je crois. Avec bravo, c'est parfait. Moi, je propose qu'on rejoigne le mur là. Parce qu'on se sent assez. Ok, ouais. On rejoint le mur et sécurise Panama. Ok. Traverse complètement Panama pour te retrouver de l'autre côté. Ok. Oh, attends. J'ai du contact dans le champ. Bravo, on continue. Là, on va sur 60, on se met à la droite de l'ouverture d'en face. Il y a une charge que je ne peux pas prendre. Okay. Allez, c'est parti, on y va en chevron. Fil endroit, pas grave, les grenades incendiaires sont. Ouais, c'est un civil. J'en ai 3. Là. Il y en a 5 que je peux pas prendre. Avec rouge, vous prenez le coin gauche du mur. Ok, je suis là. C'est chaud, non, par ici, avec le champ ou pas? Oh, la routine. La routine. Façon, on va bien qu'on rentre par un endroit ou un autre, ça va être la même merde de toute façon, donc... Ouais, allez,
Bah écoute, c'est parti. Là, j'ouvre. C'est parti. Bravo qu'on va investir. Disons qu'un champ de pavot, quoi, t'as pas vraiment le choix. Ouais, c'est pas civil sur zone. Ou alors, faut foutre le feu et puis basta. Rien, remarque. Front à gauche. Hein. Ok. Je vais ouvrir à droite là. Ça marche. Fire C. Ok. Ok, pour l'instant, donc on a vu sortir un compound. Ok, je traverse. Bon, je peux rejoindre. Il est fou ce Veldrid. C'est okay. Bon. Ouais, reste. Allez, on peut faire demi-tour, on va le cramer le champ. Ok. Allez, marche arrière. Attends, je regarde juste un truc. Je croyais que j'avais vu une silhouette, mais non. Veldrid, tu suis. Oups. Je sais pas ce qui se passe, mais ça sent pas bon. Ok. Je passe de l'autre côté. Rouge, attention, Charlie est en train de se faire grenader sur la... Ah la vache. C'est quoi ça? Ça vient de... J'ai cru que c'était lui qui avait fait un pulse... Allez les gars, rentrez, rentrez. Oh les cons. Ok, oh. On pousse là-bas, Goyaka avec Dranak, vous poussez nord-est. Il s'est passé quoi là? Attends, j'ai des contacts là-bas. Ok, très. Sur le 170-180. Oula, mais c'est petit ce que tu vois. Ok, écartez-vous tous. Putain, tu vas pas me dire qu'il y a un gilet pare-balles lui. Il était pas seul, hein. Ouais, j'ai vu, y'en a un qui défilait droit. T'as quelque chose, Veldrid? Oh, t'en vois. Civil, civil. Hmm. Mais là-bas, au niveau du mur, il était pas sud, seul. Plein sud. Je dirais même balance une ou deux gros là-bas, quoi. Ouais, ça marche. Distance 320. A mon avis, ils sont déplacés un peu plus sur la droite. Bravo, bien pris. Oula, il me reste que 3. Ouais. Ça, je me décale. Vous l'avez toujours le contact là, sud? Non, on l'a eu, mais il était pas seul. Et d'accord. Il y a un civil qui court vers eux. Ouais, ils sont deux même à courir. J'en ai vu un derrière les arbres, au niveau du mur. Ouais, t'as raison. Mais je suis pas certain si civil confirmé. Du coup, c'est peut-être des civils quand même. Oh putain, vu plein sud. Ouais, 230 contacts. 195, défilant gauche. Le long du mur, il va arriver au niveau des buissons. Veldrid. Oh putain, le même endroit que tout à l'heure. Okay. Je l'ai pas. Un mec Veldrid, avec un. Attention, je me lève. Vas-y. C'est un RPG. Okay, tu fais gaffe, ouais, RPG. 230. Je protège le proche. Ah putain, j'arrive pas à viser. Allez, crève. C'est bon, y'en a un plus proche là.
Merde, merde, il est passé sur la gauche, l'enfoiré. Ouais. Ok, viens, on va passer à l'extérieur. On charge. Ok. Surveille à droite du... Ouais, j'écoute. De l'arbre, je surveille à gauche. Dès qu'il sort, on l'a smat. Ah, négatif, négatif, il y a des contacts encore qui sont en train de se ramener sur la rue. Putain, il y en a plein. Il y en a plein au sud, le long du mur, là-bas. Tu les as vus, Wildred, c'est bien. Ok, je vais en prendre deux, tu vas prendre le reste, ok. Ok, il y en a encore un, Wildred. On y va. Il y a un merde, il est blessé. J'ai pris. C'est-à-dire côté nord. Tu l'as pas revu, la vieille? Non, toujours pas. Putain, le salaud. C'est chelou, hein. Attention à vos feux, attention à vos feux, y'a Charlie qui est sur la ruine. Y'en a un là-bas, putain, il est caché derrière le mur. Wildred, 180. Tu vois l'arbre sans feuille, l'arbre mort? Ah mais j'entends pas Wildred aussi. Et on l'entend là. Putain, t'es tout faible. Ok, alors on a donc à droite de cet arbre mort, t'as un arbre touffu, le plus grand du coin. Derrière cet arbre, un homme se cache. Donc il sortira soit par la droite, soit par la gauche. Est-ce que tu peux te mettre sur lui et la smater dès qu'il sort? Ok, je suis sur l'arbre mort là. D'accord, comme ça moi je peux traiter à distance avec le... Bah attention, je passe. Attention, on passe. Attention, attention, on passe, on passe. Il est derrière l'arbre mort ou à droite de l'arbre? Il est à droite, derrière l'arbre touffu. On va retourner sur Suez. Exactement le même le premier arbre en fait, par lequel tu es venu. Il est derrière le tas d'arbres, le Wildred. Ouais, ok, en d'accord. Gros, je prends ta position, je supprime ce que je peux. Une grenade. Et je vais faire bouger. Je vais cramer les champs avant de te rejoindre. Je pense que c'est mieux la vieille, balance une grue ou deux. Ça va, Doudou? Ouais, c'est bon, ça va. Bah, tu le fais le mouvement dès que prêt. Hey, personne n'a des gras. Mec des... sur moi. Personne n'a des grues en rab pour la vieille là? Ouais. Des grues à main, regarde. En fait, il me reste 12, ça va. Ah ouais, moi j'ai presque plus, j'ai tout épuisé. Vous l'avez eu le contact là? Attends, on traite le contact. On n'est pas certain, justement, il est caché, on sait pas si on le prend, on le prend, on fait de la suppression si besoin, les mecs. Je vois rien. Ok, okay ouais, rouge, on prend 250. T'as vu où elles ont pété de Granac les gros là? Non, 250, bon, nord-ouest. Non, j'ai pas vu. Ouais, non, ouais. Ok, okay. Oui. Je sors. Ouais, tu sors, sors. 250. On les couvre là, ils vont retourner sur Suez par le même itinéraire. On les couvre. Ici. En ouest là maintenant. Ouais. Tu restes dans le vallon là. Ouais. Dans le Talweg. Donc on retourne. Wow. C'est bon, ayez la foi les gars, ayez la foi. C'est un technical ça. Ouais, technical au sud-est. Tu veux qu'on remonte là? Non, continue dans le Talweg. T'as raison. On va pas risquer là. Donc il y a un technical de ce côté là-bas. Je vais pas dépasser la crête. On va être les seuls survivants. Ok, tu peux reprendre sur le bâtiment là, sur le bâtiment au sud. Ok, ça marche. Et là, on chope le technical et on le défonce. Ah, le flanc gauche là, pour le coup. Ouais. Il y a possibilité de monter sur le toit, j'y vais. Non, rien, tu peux pas. Non. Ah, c'est des ruines, d'accord. Ouais, c'est bon. Ok, on reprend 160. Il y a du tir devant nous là. 130, ah. Echo 130. Pas des bâtiments 130, mais. Pas de visu. Pas autre chose. On avance quand même? Non, attends. Je l'ai, attends. Là où j'ai dit, 130. Au niveau veut... des bâtiments, ah, je vois. Il veut pas mourir. Vas-y, fume le Wildred parce que moi il veut pas mourir.
Depuis c'est pas évident. Hein. Non. Bordel! Il est où, ah, il est fumé là. Il doit juste être inconscient là. Putain, c'est vraiment pas évident de viser debout. Weldred, essaye de venir à ma position là. Ouais, non, c'est vrai. T'es où? Là, là, sur le petit. Ouais, je sais pas si je vais pouvoir poser là-dessus. Hein. Là, je le verrai plus là. Tu vois pas? Ah, c'est bon, j'ai posé. Ah, putain, j'ai perdu l'azimut du coup. C'est bon, je l'ai traité là. Il est définitivement mort. Ah, d'ici, j'ai un arbre devant, je peux pas. Ah, ici, bravo, j'écoute. On est en train de traiter donc un contact là, entre nous et Suez. Comment? On va retire une fois. T'es pas sûr? Non. Ah, le champ a cramé. Ah, il y en a un qui court, c'est un civil, faites gaffe. Alors là, s'il est pas mort, il est. Okay. Il y a un civil à gauche. On va progresser sur le bâtiment. Hein. On va progresser en chevron. 160 donc? Ouais. Enfin, 130. 130. Attention. Attention, il y a un civil qui court, hein, 130. Ouais, hein. Ouais, pas de soucis. Allez, c'est parti. Ok. Dès qu'il y a un contact, tout le monde s'allonge et on traite. Hein. Ok. Perf sur le ventre. Ouh, putain. Oh. Ouais. Allez, on court. Il y a la foi, les gars. Il y a la foi. Okay. J'en occupe. Il y a la foi. Je te dépasse. J'ai mal au foie. C'est bon, il est traité celui qui a jeté les grenades. La vieille. Il a dit de courir. Tu respectes pas la procédure, la vieille. Il a courir, moi je suis à courir. Allez, on se passe sur le mur. Oh putain. Ah oui, oui. Ils sont toujours là, Charlie? Ouais, je les entends. Ils sont toujours là. Ils sont sur notre nord. Bravo, on est sur Suez. Ok, ça tire depuis nord-ouest. Ouais. Nord-ouest. C'est eux. Ok, on va rentrer dans le bâtiment, on va aller sur le toit, là où on était tout à l'heure. Ouais, ils sont sur nord-ouest, à Charlie. Hein. Ouais, on va monter sur le toit, on va leur apporter un soutien. Il y a l'escalier juste derrière. À gauche, passez à droite, Oh putain, le civil. Passez à droite. Ah putain, il m'a foutu la trouille ce con. Ok, bon. Contre-ordre. Contre-ordre, on reste à l'extérieur. Ok. On aurait un beau visu de là-haut. Dommage. Ouais, mais il veut qu'on bouge à mon avis. Donc tu me disais quel itinéraire pour la sortie? Itinéraire. Donc Charlie nous rejoint, ils vont faire cramer. Et on va partir par Abad. Ils sont déjà là. Hein. Ils sont là. Tu peux y aller, on va jeter les grenades, tu peux y aller, Doudou. Ok, allez, c'est parti. Vous me suivez. Pardon. 220 direction Abad rouge. Parti. A été nettoyé à Bad? Ouais, bah c'est ce qu'on a nettoyé nous tout à l'heure. Ah ouais? Ah ouais, je me rappelle même plus, tu vois. On a nettoyé tout à l'heure. On continue même. Il voulait pas qu'on prenne le. Le lit, là. On va prendre le Talveg là qui a pas sa nuit. C'est. Il est devant. Je suis là. Il voulait qu'on prenne l'itinéraire orange ou bleu? Parce que bleu c'est sur le nord-ouest là-bas. Hein. Non, orange. On okay. Continue la dérive. Ok, ça court devant aussi. Mais... On va faire quelque chose avec okay, ces civils, il y en a vraiment partout. Ok,
Attention, on se fait engager, on se fait engager. On rejoint les rochers sur tout l'endroit. À gauche. Bravo, on a engagé. On s'arrête, on s'est posé dans des rochers, on va essayer de traiter. Quelqu'un a un contact? Non. Wall Street négatif. Négatif. Contact isolé parce que quelqu'un tire. Ouais, ouais. Des civils qui courent partout. Ouais, je l'ai pas. Non, le Charlie va monter. Si, je l'ai. Il est derrière le gros rocher azimut 20. Azimut 20 tous. Traité. Ok, ici bravo, on a traité le contact. Bien joué. J'espère qu'il était seul. Ah, j'écoute. Ouais, il y a aucun tir, je pense que c'est isolé. Ok, on reprend le chemin. Ok, parti. La vieille. Ouais, je suis là. J'étais bien partant pour signer pour une nouvelle affectation et j'ai envie de rentrer chez moi en fait. Une nouvelle affectation? Ouais, pour jouer la deuxième partie quoi. Je sais pas comment dire. Pour empiler. Pourquoi? T'as été traumatisé par quelque chose? Tu veux parler? Non, je suis simplement fatigué. T'es fatigué, faut pas forcer. Non. On va où là en fait? On va au deuxième champ, c'est ça? Non, là on rentre. Ah, on rentre, d'accord. Ah, mais c'est fini alors. C'est fini. D'accord. J'ai rien suivi, putain. T'es vraiment à la ramasse, toi. Mais grave. Je sais pas où on est, je sais pas ce qu'on fait. C'est pas plus mal, des fois, de se laisser porter. Ah ouais, là, j'ai pas suivi du tout de ce qui se passait, mais du coup, je trouvais ça bien agréable en fait. Rouge, prenez plus nord. T'as lâché prise la vieille? On va prendre le bâtiment au sud là, de Vilnius. Ouais, c'est quoi Vilnius? C'est quoi, c'est celui au nord là? Ouais. C'est le plus proche de nous là. Ok. C'est agréable de jouer sans penser des fois. Ouais. Bah là du coup ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas arrêté de bouger, de tirer, c'était vraiment sympa quoi. Yep. Hop. Hop. C'est-à-dire qu'il y a eu de nombreuses situations tactiques, c'était vraiment sympa quoi.
Non, moi je viens d'aller. Ok, on monte sur le toit et on. Et le commandant va appeler l'extraction. J'écoute. Tu vois la route, tu remontes. Deux contacts sur la route, 240 en éloignement, mais il faut les neutraliser avant que j'appelle l'hélico. Ok, bien pris. Waldrick, 240, il y a des contacts. Okay, 240, sur la route. Il y a un mur devant, je peux pas. Bah, tu les voyais d'ici là? Non, non. Tu les vois de là, toi? Ouais. Attends. Et la vieille, regarde les reliefs en 42 là-bas. 42 avec la brume au loin. Ouais. Et voilà, mes contacts, Waldrick. T'as vu, ça fait des petites bosses avec la brume, c'est classe, hein. Tu vois le mouton là, la chèvre. Tout joli sans lunettes avec la lunette. La vois ou pas, Waldrick? Ah, mais loin, éloigné, près, je sais pas. Ouais, ouais, éloigné, ouais, ouais. Il y a tiré là. Je suis bigleux ou quoi? Attends, je vais mettre des traçantes. En 240, tu me dis, hein, c'est ouais, ça ouais, ouais, 240. Je les vois plus, là. Ouais, je vois la chèvre. Mais oh bah, je l'ai eu. Oh bah, ah tiens. Tu vois les traçantes? Ouais. Voilà, il y avait deux mecs, là. Dans le buisson, là? Quoi? Dans le buisson? Ouais. On balance quelques rafales, là, dans le buisson. Vas-y. Y'a rien qui bouge là. Non, 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 t'es trop bas là. T'es beaucoup plus haut. Ah, tu vois où sont les traçantes là? Ouais. Là, là. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont morts là. Ah, non, non, il. Tu l'as vu celui qui est sorti là? Ouais, ouais, je le vois. T'es un peu bas là. Ah, là, t'es dessus. Plus haut, ouais, plus haut. C'est bon, il est tombé. Allez. Pareil. Hélico en approche. Les contacts traités. Bien pris. Hélico en approche, posé. En mètre. Ah, audio, hélico. Ah, ça tire, arrière. C'est bien pris. J'ai tiré dessus par de la grosse là. Oh, c'est lié de field, ça fait beaucoup de bruit. Ok, à tous, vous allez me suivre. On va aller sur les LZ. Ok. Mais...
coup à bord. Un coup à bord. Bravo à bord. C'est parti. Un coup à boire. Ah, mais pas,